Attention à la résolution d'une équation du premier degré à une inconnue s'il y a de telles fractions munies d'un moins. Souvent, on oublie de distribuer ce moins dans le numérateur. Alors commençons de suite par cela pour ne pas l'oublier. La fraction moins x moins 2 sur 5 peut encore s'écrire moins x sur 5 plus 2 sur 5. Donc ce moins avec ce moins-là, ça donne ce plus. Maintenant, nous cherchons le plus petit commun multiple de tous ces dénominateurs. C'est bien sûr 15. Et nous multiplions les deux membres de l'égalité par ce 15. Ainsi, le 15 sera distribué sur cette parenthèse et tous les dénominateurs vont disparaître. Et ici, le 15 multiplie le 2 tiers. Ça nous mène de suite vers cette équation-là. 15x tiers, ça donne 5x. 15 fois moins 2x cinquième, c'est moins 6x. 15 fois moins x cinquième, c'est moins 3x. Et 15 fois 2 cinquièmes, ça donne 6. 15 fois 2 tiers, ça donne 10. Maintenant, on doit encore mettre le 6 de l'autre côté du signe d'égalité. Un plus devient moins, donc de l'autre côté, il devient moins 6, comme ceci. 5x moins 6x moins 3x, ça fait moins 4x. Et 10 moins 6, ça fait 4. Nous avons encore ce nombre, moins 4, qui multiplie à gauche du signe d'égalité. On peut donc le mettre à droite du signe d'égalité où il va diviser. Et nous obtenons ainsi que x est égal à 4 divisé par moins 4, c'est-à-dire x est égal à moins 1. Nous avons trouvé la solution de l'équation, alors nous la mettons encore dans l'ensemble solution.